un miracle pour moi ce matin. Je te remercie, Seigneur. Chalita, je sens Dieu vouloir visiter quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vous prie, lorsqu'on parle.
de Jésus. Amen. Les gens qui viennent à l'église, ils m'ont dit
ça devient un sujet dans la table. Les pasteurs ne peuvent pas être gentils avec tout le monde. Si on a sa chantier avec Sœur Joseph, on a commis le camp là. Si on a sa chantier avec Sœur Gérard, Sœur Tuch, on a commis le camp là. Les pasteurs ne peuvent pas être gentils. Les pasteurs ne peuvent pas lier avec les gens. Ce que pasteur a c'est qu'au moins, le pharisien, c'est le comportement que Jésus ne fait pas à l'église. Alléluia. Alléluia. Le pharisien, lorsque tu es loué, lorsque tu commences à t'utiliser, ils vont chercher quelque chose pour t'éliminer. Un péché des années passées. Ce que tu as fait il y a longtemps, il y a 5 ans, on m'a dit que c'est un roi, toi, on dit c'est un roi, change à qui. Par contre, on l'a d'ailleurs, il souffre 5 ans. Mais on a été là, on a eu la campagne, il y a 3 ans passé. Mais c'est passé! Le pharisien. Le pharisien. Le pharisien avec lui, c'est un comportement que Jésus. Les gens qui cherchent à éliminer les gens. Les gens qui diminuent l'onction à l'église. Les pharisiens, ce sont des gens qui n'aiment pas pardonner. Ce sont des gens qui rendent la loi tellement dure. Ne touchez pas. Ne mangez pas. Et les frères du pharisien, c'est juste les enseignements. Les faux enseignements des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des pasteurs. Les gens qui respectent la tradition qui est la loi de Dieu. C'est là où Jésus dit aux pharisiens. Vous respectez beaucoup plus votre tradition que la loi de Dieu. Ils disent à Jésus, tes disciples mangent sans pour t'en laver. Ils sont très bons. Pour ça, ma casse, c'est la loi, ma tradition qui est mieux pour les hommes. Les pharisiens, ce sont des frères et des sœurs. Même les églises qui m'autorisent d'écouter des chansons mondaines, des chansons profanes. En disant que ça, là, de l'autre côté. Alors la Bible dit, tout m'est permis. Ils savent peut-être que ça suit là. Mais il y a des églises où écouter où on sort, ce n'est pas un problème. Mais si tu mets l'homme en mot, on met à côté chacun. Les pharisiens, ils enseignent Jésus. Mais parce que les billets, ils ont ça la force à les choisir. Les pharisiens, ce sont des églises qui autorisent la polygamie. Les faux enseignements à l'église. Les pharisiens, ce sont ceux qui empêchent les gens d'entrer dans une vie de sainteté. Ils ont toujours des choses que Jésus n'aime pas. Ils ont dit tous les enseignements qui ne sont pas vraiment valables dans le christianisme d'aujourd'hui. Les pharisiens, on va t'enseigner d'avoir 4 et 5 femmes. De vivre dans la polygamie. Parce que la Bible, et ça n'a pas fait ça, je sais pas si c'est mon avantage, que Pharaon et Salomon étaient choisis de Dieu. David était l'ami de Dieu. Écoutez-moi, je suis en train d'enseigner. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Je vais te dire une chose, ça va te choquer, mais c'est la vérité. Car la vérité reste la vérité. Oui, mais ce problème avec les femmes n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'était dans la volonté permissive. C'est ce que Dieu a permis, mais il n'était pas d'accord avec ça, mais il a juste permis que David ait plusieurs femmes, mais ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais c'était la volonté permissive. Car plus tard, dans la nouvelle alliance, Dieu dit ceci. Dans le verset Matthieu, le verset que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Le verset dit, ça dit Seigneur, je crois bien. Ou les pharisiens. Bah oui, Moïse nous a prescrit cette loi en disant que si tu veux répéter ça à ta femme, tu peux la donner une lettre de divorce. Écoutez ce que Jésus dit à ces pharisiens. On commencera, et cela qui m'a voté. Dieu a permis cela à cause de la dureté de ton cœur, à cause de vos pensées, de vos mauvaises pensées, à cause de vos déçus charnels, parce que tout ça qui était dans la vie, c'est pas s'éveiller. La raison pour laquelle Dieu a permis, mais Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. Dieu n'a jamais été d'accord avec ta vie à s'éveiller. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était la volonté permissive de Dieu.
Dieu a voulu que les enfants d'Israël dans le désert, c'est plus seulement de la manne. Mais un jour, ils ont eu ces deux souris de manger la viande. J'ai autorisé la viande. Ils ont mangé pendant un mois et après c'était quoi? C'était quoi? La mort. Après, c'était la mort. Quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, c'est très dangereux. C'est qu'il vous donne la permission, mais il tourne le dos. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, il vous donne la permission, mais il est avec toi. Un mariage de Dieu soutient. Peu importe les vents qui peuvent souffrir dans les mariages, ils seront toujours unis parce qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Mais les mariages, les gens qui divorcent à tout moment, parce qu'ils étaient dans la volonté permissive. Parce que là, pour une volonté ensemble, c'est parce qu'ils étaient d'accord pas ensemble. Ils ont quand même pas ensemble. Et lorsqu'ils vont souffrir, il y a que gauche, il y a que droite. C'est ça la volonté permissive. Je te dirai, ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans dans les mariages, va les demander. Ils te diront que, à tout à l'heure, mon mère, ma tasse, c'est ta mère, c'est ma camarade. Parce que Dieu souffrait les mariages. Si tu fais les affaires, et dans la volonté parfaite de Dieu, peu importe la crise dans le pays, Dieu va continuer à soutenir tes affaires parce que tes affaires sont dans la volonté parfaite de Dieu. Mais si tes affaires sont dans la volonté permissive, lorsque tes enfants vont souffrir, ils seront coulés. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens vont enseigner que, et ça va être soumonté, mais ça suivra. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis, mais Dieu n'a jamais été d'accord. Parce qu'il dit, si vous voulez monter dans la table d'assignation, ne touchez pas l'alcool. Et dans le programme, qu'est-ce qu'il dit? Le vin est monté. Et quand ça, il essaie à sa pauvre. Un verset, un autre verset dit ceci. Pèse ça l'alcool dans la nappe, dans la pauvre. Un presse, en mettant comme ça. Est-ce qu'il y a des princes ici? Est-ce qu'il y a des rois ici? Est-ce qu'il y a des gouverneurs ici? La Bible dit Amen à Kamasangate. Mais la volonté permissive, tu votais un peu d'alcool pour l'estomac. Mais Dieu n'a jamais été d'accord. Parce que le Saint-Esprit travaille avec les gens qui sont ivres de Dieu, non ivres de l'alcool. L'ivresse de la boisson est interdite. Mais l'ivresse de l'esprit est autorisée. Mais Dieu laisse. C'est courant, parce qu'ils sont dans la volonté permissive. Mais là, mes collègues, les enseignements des pharisiens de Jésus dit à ses disciples, gardez-vous contre ces enseignements, protégez-vous contre ces enseignements. Et ça, là, de l'autre côté, mais là, mes collègues, ça, là, de l'autre côté. Les enseignements des pharisiens, oh Moïse, Moïse Koutou, Salomon, ça qui n'a pas servi, Dieu l'a soutenu. Salomon a fini sa formation, a suivi sa formation dans ce monde. Il a commencé avec Dieu, mais à la fin, à Kotaloïche. Parce qu'il a adoré et il déesse de fertilité égyptienne. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. C'est parce que c'est un Dieu jaloux. Alléluia. 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 Il y a une église qui autorise. Même au pasteur, de prendre les femmes gratuitement. Soit à moi, j'ai donné des guides au bon travail. Mais pendant que la famille de cette femme elle demande la dot avant de prendre la femme. Mais, il y a loi, il y a un pharisien ici, prends juste la femme et tu dois commencer une vie avec elle. Comment tu peux engrosser une femme à l'église, mais tu continues à servir? Comment tu peux engrosser 2, 4, 5, 6 sœurs à l'église, mais tu continues à diriger l'église? On te dit, ça fait rien. Ça, ce sont des enseignements des pharisiens. Les enseignements des pharisiens. Et il y a beaucoup de sacrifices sur la moto, et les salles de l'autre côté. Les pharisiens disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Mais eux, à cette époque, respectaient la dîme. Ils donnaient la dîme. Mais les pharisiens d'aujourd'hui disent aux fidèles de ne plus donner la dîme. Parce que la loi, la nouvelle alliance n'autorise pas. Les pharisiens de cette époque-là, aimaient faire des longues prières. Mais les pharisiens d'aujourd'hui, ils ne vont pas citer.
ne fait pas l'église. Ce que Jésus veut de toi, il veut ta sanctification. Ce que Jésus veut de toi, Jésus veut que tu te sanctifies, que tu sois un bon frère, une très bonne sœur à l'église. Pas de conflit, pas de les gens disent, pas de critiques, pas de parti pris. En fait, l'onction continue à couler comme il faut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis juste dans l'introduction. Je suis juste dans l'introduction. Parce que je vois Dieu en train de bénir les gens qui n'ont pas l'église. N'a pas eu comme ça me témoigne contre ma voix. Tant qu'on a fait, on a dit que c'est mon rétorique. Hé! Un pharisien, il est où? Il dit Lumba! Il y a mon aïe, oui, ça veut dire Lumba, ta basse à mon kimi. Maintenant, elle est dans le Seigneur. Pharisien, laisse la vie des autres. Et les pharisiens, ce sont ceux qui empoisonnent. Mais à l'église, l'église aujourd'hui a des poisons partout à cause des pharisiens. Lorsque tu commences à monter, tu te commences à t'utiliser, il t'empoisonne. Si tu es le maître de ton pasteur, alors tu as un problème. Moi, j'aime des gens qui sont spirituels, mais tu fais tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que prière, même si tu as un souper, mais tu es aussi là, il n'y a pas de vie. Mais à la raison, parce que son travail et son permis d'aider à Zalamé, à Zalamika. Il y a un moment, pendant que tu es chômé, donne-toi, tu pries beaucoup. Il y aura un moment, nous sommes dans le temps, à une époque, ma prière va nous protéger. Moi, je suis déjà, je suis en train de mentir. À côté, au centre de la combat, dans le monde, et bien, tu as peine, à côté, à côté, chérie. Et quand tu vois, parce que comme une proche m'a fait beaucoup à tout moment, j'ai eu ce côté. Allez, on va prendre une poste. Il y a des pasteurs comme il m'a dit. Non! L'église est spirituelle. L'église fonctionne dans l'éternellement spirituel. Lorsque tu es charné, beaucoup comme elle a compris son opportunité, mais il faut que tu sois tout. Si tu veux être mon ami, si tu veux être mon chéri, ma chérie, sois spirituel. Là, tu seras tout le temps avec moi. Et cette contérité, j'aime les gens spirituels, pas du tout. J'aime des gens bien. Je commence à éviter certaines personnes qui l'ont bien l'équipe. On voit la volée qui a le nom qui. Je commence à éviter les gens qui critiquent, qui insultent, qui détruisent les gens, la réputation des autres. Comment tu peux être à côté de les gens où tu verras que je fais quelque chose de mal, ok, il peut me détruire mal. Et comment on commence à me permettre maintenant sur le bien, ensemble de la critique, ensemble de mon tombe. La compagne, ensemble de la compagne, maintenant un jour, ok, il peut me tomber mal, il peut sa réputation. La raison pour laquelle on t'évite. Non, pharisien, c'est le comportement que Jésus ne fait pas à l'église. L'église c'est la prospérité, mais ses enseignements dans nos églises, et c'est sous enseignement. Alléluia. Alléluia. Je suis juste dans l'introduction. L'élève du pharisien. Le mauvais comportement et les faux enseignements à l'église. Et les gens, lorsqu'ils lisent la Bible, alors la Bible est bien aussi. Alors on a fait ça, ils sont avantageux pour aller. Là où on lit le mandat de péché, lui n'aime pas. Mais il va juste prendre le verset, le juste peut tomber cette fois, il s'aimait, il verra. Là, on fait ça, ils sont avantageux pour elle. Donc je vais tomber, je vais me relever, je vais tomber, je vais me relever. Lorsqu'il lit la Bible, la partie qui dit que non, tu prospéreras, ah, il est content. Lorsque la Bible dit, donne la Bible, non, 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 nous sommes dans la nouvelle alliance. Les pharisiens. Les pharisiens. Je vais finir. Les pharisiens, ce sont ceux qui gagnent beaucoup plus la poutine, qui respectent les poutines de la parole de Dieu. Il y a une petite tradition. Voilà comment on dit.
femme, il a dit, mais lorsqu'elle sort de l'église, j'y prends beaucoup ce comportement, le pantalon, le pantalon, le premier imamba, les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des sœurs et des frères dans le même quartier, dans son avenir. Ils empêchent les frères et de son quartier, de son avenir, de venir à l'église. Pour un même moment, la douleur, ils ont la salle à venir à jeter. Pour ton soin, il y a des racines, il n'y a pas. Pour un moment, il y a des propriétés. Tu es à l'église, tu prends la langue, mais dans un moment, il y a des pharisiens. Abandonne ce comportement, tu empêches les gens de venir à Jésus. Qui fait honte de l'église de l'évangile. Il a l'église, il est saint. Elle a l'église, elle est sainte. Mais c'est lui qu'on voit tout le temps dans les hôtels. C'est lui qu'on voit tout le temps dans les pas de lui en train de danser. Mais ici, il est protocole à l'église. Il est à côté de son pasteur. Mais lorsque l'église finit le soir, dans une boîte de lui en train de danser, lorsque les gens lui continuent le moment, c'est le soir que j'attends le pasteur. Non, mais pour que l'église soit levée, tant que vous avez appelé le pasteur, on empêche à tout le monde. C'est le comportement que Jésus ne veut pas à l'église. À l'église, tu ne danses pas. Voyez, par exemple, on va faire un petit peu de temps à côté. Mais lorsque tu es dans une fête d'anniversaire, il y a mariage, il y a un mariage pour te le tête. Alléluia, alléluia. Ah, puis ma caca, comme elle est président. Bim, bim, bim. Yé, on a le talent. Merci, madame, vous pouvez m'envoyer. Pharisien, c'est ton comportement, Jésus ne le fait pas. L'hypocrisie, Jésus ne le fait pas. Est-ce que je vous remercie? Je suis juste dans l'introduction. Sois un vrai chrétien. Soit tu es dans le Seigneur, soit tu es dans le péché, soit tu es dans le monde, soit tu es dans le Seigneur. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas manger chez le président, encore non, mais ça va le président. Tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit la nuit, on me dit à sa monnaie, et venir ici, on me dit à 500 de maquillage. On ne mélange pas ces choses. On ne mélange pas. On ne mélange pas ces choses. Tu danses à l'église, tu danses dans le boîte de nuit. La même bouche qui prophétise, c'est la même bouche qui monte des mensonges, des faux témoignages contre les autres. La même bouche qui parle la langue, c'est la même bouche qui critique, qui humilie les autres, qui insulte les autres. C'est la même bouche qui critique, c'est la même bouche qu'on trouve les politesses et à bon niveau. On a consommé son nid. Ok, mais on a compris ça, on a compris ça. On s'en a couronné la seule langue, tu vas voir. Pourquoi t'as l'air bien? Au changer,
les petits et les grands péchés n'existent pas. Pour faire du vendredi, pour nous assembler à ton corps, à nous faire.
Ce petit, il y avait des prophéties, et je l'ai à cause de son étoile, soit à l'Élysée Kimdoki, soit à l'Élysée Po, ou bien au Maï. Alors, en rentrant sur sorcellerie, pour Maïe, à l'Élysée Ki, quand on se connaît, à l'Élysée Ki, il y a un peu, mais il y a un peu de temps à son idée au monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas citer le nom ici, à l'eau à problème. Adam a la Sévigné, premier. Pendant le. Quand il y a mis malé, dans un année, bon, la somme de la n'est pas mon coup de la dans la somme de la un ami à lui, n'a pas de la prophétie, la tournée à lui, a été liée pour la vie. À sa gratitude, la localité, alors, il a envoûté sa nourriture pour les sauver. A évité à son niveau, on est un membre à l'époque, on a voté l'époque. Moi, la zone à l'allée, à l'île, à Jules, moi, à l'île, à l'île, à l'île, à l'île, la pampa est élevée. Sa sœur, elle est où, ma chère? Sa mère, elle est où? Tu peux parler? Encore, on va dire. Vous voyez, nous sommes, Satan a été la cause, on a mis le bon, il y a un abéissant. L'économisation, c'est la sœur, on a mis le bon, à l'école. Donc, étoile, la grâce, la maman, elle est encadrée. La cinquième maman, à cette fille, depuis qu'il y en a, elle était petite comme ça, 7 ans ou 2 ans, depuis qu'il y en a maman. On dit ça, ma profession, ça va être ça, depuis. À l'année, la couture, à Soukouki, elle est une confusion, à tenir la Congo, dans la communion, ça. Alors, quand elle allait qu'il m'a et bien joué. Mais mes athées, à combien m'allait lui, à son père ma tête, je te commis avec ta couffa, à son libérateur et le côté. Et à mon moment, il m'a dit, mais t'as son robe en place. Je bénis Dieu pour cette église. Il faut alors former la prière. Auquel m'a ma casse. N'a pas sa panique, c'était l'Esprit de Dieu, elle a commencé à prier. Pendant qu'elle priait, sa maman, dans l'auto, à son l'autre, à son moine, à qui elle a voulu me gagner à l'île, à son sang, à donc, à ce qu'il y a un peu qui nous est raté, elle va mourir, elle va prier. Maman, je suis dit qu'il mourir, à son sang, sans poser des questions, aussi. Où est la sœur Estelle? Où est la sœur Estelle? Au frère qui fait les mains, et au frère qui fait les mains. Et ça, parce que maman, à toi, dans le monde, Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Maman et moi, on a mis la confie. Bon, on dit maman. À cause de la France, à cause. Vous voyez, nous, on a mis moi, on a mis les gosses, on a mis les gosses, on a mis les gosses. À mon et moi, bon, on dit, c'est. Comment on a mis la témoin? À mon et moi, on a mis la confie, on a mis les gosses. Tant que vous allez au cul, oui, il y a des gosses. À chez ma foule, on a pas de famille. À chez moi, on a pas. À chez moi, on a pas. Même le pasteur part.
Voilà ce que Dieu peut faire dans cette église. Et voilà les magasins. N'allez-là dans l'église. Après, on est venu parce qu'il y a un enfant dans le numéro de la pointe. N'allez-là dans la salle. Oh, il y a un enfant dans la cahier church. C'est bien ça. Ici, c'est un enfant dans la cahier church. Des miracles chaque jour. Il y a beaucoup de choses. Et pas pour l'ami, des gens qui siennent à bon moment. Il y a beaucoup de colons, merci de mettre les gens au moins à de mettre les gens. Alors moi-même, je prophétisais pour lui, parce qu'on dit ma matière prophétique, à moi qui est loin, ma matière mon corps, à moi qui est loin, le vivre en tâche. À moi qui est loin. Maman a dit soirée là qui est le téléphone de ta femme, elle a suspecté. Vous voyez, après, vous avez l'église, vous avez l'église, vous avez l'église, vous voyez, vous voyez, je peux te toucher et pas vous frapper. Vous avez l'église, 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 vous avez Ma foudre à notre tombe de l'écolo est sanctifiée et bénie.
Merci bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, la parole de Nzambe na ndenge na yoki liloba na ye pe ebiki si pe ekoti na kati ya mtema e chanser ba fina biso. Bien-aimé dans le Seigneur, sika nyoso sali aux en Europe, yo muto so landangai na so bengisa yo moment oyo eza moment moko ya mabe, oyo bato bazo kufana ba famille,
ma problème finance ma mbebele yango na so bondela yo siko zali soki yo za na poto za na bandeko bazala awa na kisasa tinda bango baya ebele baya na kaili cheche eklise la puissance et so kango la peso bikisa tomoni témoignage ya mwana et bikisi mwana mwana zalaki akokufa mwana zalaki akokufa na kacha ndako yo mwana zalaki akokufa pe alamuki na wili ya pamba beneme yo mutondi makate landango na YouTube okomona na